ICE bulletin for the St. Lawrence River from Montreal to Las Eskimos, including the Saguenay Fjord, issued at 1400 Coordinated Universal Time Thursday, January 24, 2019 by Montreal ICE Center of the Canadian Coast Guard. General ICE conditions, from Montreal to Cap-Lisois, very thick, medium and thin brash, gray, nullis and new, then gray-white, gray, nullis and new to Las Eskimos. In the Saguenay Fjord, from Tadoussac to Pointe-Claveau, mainly gray, nullis and new, then from Pointe-Claveau to Ville-la-Bay Bay, mainly thin first-year fast ice. Estimated ice conditions available on request. Ice bulletin for the St. Lawrence River and the Gulf from Les Escamets to Cabot and Belle Isle Straits, and also along the Lower North Shore, issued at 1930 Coordinated Universal Time Thursday, January 24. Recommended route number 01. From Les Escamets Pilot Station to Waypoint Alpha. 4815 North, 06925 West. To Waypoint Bravo. 4840 North, 06845 West, then Waypoint Charlie. 4900 North, 06750 West, then Waypoint Delta. 4934 North, 06550 West, then Waypoint Echo. 4924 North, 06430 West, a normal shipping route. Detailed ice conditions available on request. Mariners are advised to navigate with extreme caution in the vicinity of, and in ice-infested waters, as ice conditions may be more extensive and or severe than reported. Navigational warnings. Warning Quebec, 0072 Lac Saint-Pierre. Unidentified red spar buoy reported off position 20 meters in the channel in the vicinity of the buoy Sierra 87 in approximate position 46 degrees, 10.77 minutes north, 072 degrees, 55.13 minutes west. Caution. Warning Quebec, 0067. Montréal to Trois-Rivières. The navigational channel upstream from the Laviolette Bridge to Contrecoeur is closed in order to maintain navigational safety and good control of flooding. Warning Quebec, 0064. Trois-Rivières to Donnacona. Lighted Boy Quebec 84 Blondines East List of Lights 2012.1, Winter Spar Capsized. Warning Quebec, 0058, Montréal to Trois-Rivières. The new Champlain Bridge is under construction, downstream of the existing Champlain Bridge. Temporary jetties, temporary cofferdam, tugs, barges and work boats on site. Mariners are requested to avoid the work zone. Caution. For more information, www.newchamplain.ca. Email, info@sslc.ca. Tel 514-876-1020. All written navigational warnings are available on the Coast Guard website, www.ccg-gcc.gc.ca, or contact Quebec Coast Guard Radio. Water levels at chart datum issued at 0700 on Wednesday, January 24th. Montreal. 1.89 meter. Sorel. 1.99 meter. Lowest water level at Joual-Rivière in the last 24 hours. 1.06 meter.
Ici Québec Radio Garde-Côtière. Diffusion maritime continue, utilisant les facilités de transmission situées à l'Acadie, Trois-Rivières et Montmagny, sur la voie 8-3 Bravo. Lauzon et Rivière-du-Loup sur la voie 2-1 Bravo. Sorel et Montrigaud sur la voie 2-5 Bravo. Situation maritime technique pour le fleuve Saint-Laurent est mise à 15h heure normale de l'Est le jeudi 24 janvier pour ce soir, cette nuit et vendredi. Position des systèmes. À 15h heure normale de l'Est aujourd'hui, les pressions de 994 millibars s'intensifiant situées sur le sud du Québec. Vers 7h heure normale de l'Est et vendredi, des pressions de 967 millibars s'éloignant situées sur le Labrador. À 7h heure normale de l'Est vendredi, creux barométrique situé sur une ligne est-ouest sur le lac Huron. Vers 19h heure normale de l'Est vendredi, creux barométrique situé de la rivière Saguenay au lac Huron. Prévision maritime pour le fleuve Saint-Laurent est mise à 15h heure normale de l'Est le jeudi 24 janvier pour ce soir, cette nuit et vendredi. Montréal à Trois-Rivières. Vent du sud-ouest de 1,0 à 1,5 nœuds augmentant du secteur ouest à 1,5 à 2,5 tout ce soir puis diminuant du sud-ouest à 1,0 à 1,5 vers minuit. Vent devenant léger en fin de nuit puis augmentant du sud-ouest à 2,0 à 3,0 vendredi après-midi. Pluie et nappe de brouillard se changeant en averse de neige tout ce soir et cessant vers minuit. Averse de neige vendredi matin et après-midi. Visibilité 1 mm ou moins dans les nappes de brouillard et dans les averses de neige. Minimum 7 mm moins 1 2. Trois-Rivières et Donnacona. Vent léger augmentant du secteur ouest à 1,5 à 2,5 nœuds tout ce soir puis diminuant du sud-ouest à 1,0 à 1,5 en fin de nuit. Vent devenant léger vendredi matin puis augmentant du sud-ouest à 2,0 à 3,0 vendredi soir. Pluie et nappe de brouillard se changeant en averse de neige tout ce soir et cessant vers minuit. Averse de neige vendredi après-midi et en soirée. Visibilité 1 mm ou moins dans les nappes de brouillard et dans les averses de neige. Minimum 7 mm moins 1. Maximum vendredi moins 6. Donnacona à Beauport. Vent du nord-est de 1,0 à 2,0 nœuds devenant du secteur ouest de 1,5 à 2,5 tout ce soir puis diminuant du sud-ouest à 1,0 à 1,5 en fin de nuit. Vent devenant léger vers midi vendredi puis augmentant du sud-ouest à 1,5 à 2,5 vendredi soir. Pluie verglaçante se changeant en averse de neige tout ce soir et cessant après minuit. Averse de neige vendredi après-midi et en soirée. Visibilité 1 mm ou moins dans les averses de neige. Minimum 7 mm moins 1,0. Maximum vendredi moins 6. Beauport à l'île aux Coudres. Vent du nord-est de 1,5 à 2,5 nœuds devenant du sud-ouest de 1,5 à 2,5 ce soir puis diminuant du sud-ouest à 1,0 à 1,5 tard vendredi matin. Vent augmentant du sud-ouest à 1,5 à 2,5 vendredi soir. Pluie verglaçante se changeant en averse de neige ce soir et cessant en fin de nuit. Averse de neige vendredi après-midi et en soirée. Visibilité 1 mm ou moins dans les averses de neige. Minimum 7 mm moins 1,0. Maximum vendredi moins 8. L'île aux Coudres à Tadoussac. Vent du nord-est de 1,5 à 2,5 nœuds devenant du secteur ouest de 2,0 à 3,0 ce soir puis devenant du sud-ouest à 2,0 vendredi matin. Vent diminuant du sud-ouest à 1,0 à 1,5 vendredi soir. Pluie verglaçante se changeant en neige ce soir et cessant en fin de nuit. Visibilité 1 mm ou moins dans la neige. Minimum 7 mm moins 1,0.
Toutes autres zones météorologiques et les codes MAFOR sont disponibles sur demande. Bulletin des glaces pour le fleuve Saint-Laurent de Montréal à l'Escoumin incluant le fjord de Saguenay à 400 temps universel coordonné jeudi le 20. 4 janvier 2019 par le Centre des glaces de Montréal de la gare de côtière canadienne. Conditions générales des glaces, de Montréal à Cap-aux-Oies, sarrasin très épais, moyen et mince, grise, mi-laine nouvelle, puis blanchâtre, grise, mi-laine nouvelle jusqu'à les Escoumins. Dans le fjord du Saguenay, de Tadoussac à Pointe-Claveau principalement grise, mi-laine nouvelle, puis de Pointe-Claveau à Ville-l'Abbé principalement mince de première année en banquise côtière. Conditions estimées des glaces disponibles sur demande. Bulletin des glaces pour le fleuve et le golfe Saint-Laurent de l'Escoumin au détroit de Cabot et de Belle-Île ainsi que le long de la basse côte. Mort et mis à 930 temps universel coordonné jeudi le 24 janvier route recommandée numéro 01. De la station de pilotage de l'Escoumin au point de changement Alpha. 4815 Nord, 06925 Ouest, au point de changement Bravo. 4840 Nord, 06845 Ouest, puis point de changement Charlie. 4900 Nord, 06750 Ouest, puis point de changement Delta. 4934 Nord, 06550 Ouest, puis point de changement Echo. 4924 Nord, 06430 Ouest, puis route normale de navigation. Conditions des glaces détaillées disponibles sur demande. Les navigateurs sont priés de naviguer avec une prudence extrême dans les parages et dans les eaux infestées des glaces, car les conditions glaciales peuvent être plus étendues et ou plus rigoureuses que rapportées. Avertissement de navigation. Avertissement Québec, 0072 Lac Saint-Pierre. Une voile rouge non identifiée signalée hors position 20 mètres à l'intérieur du chenal près de la boissière à 8-7 aux environs de 4-6 degrés, 1-0 décimal 7-7 minutes nord, 0-7-2 degrés, 5-5 décimal 1-3 minutes ouest. Prudence. Avertissement Québec, 0067. Montréal à Trois-Rivières. La voie navigable en amont du pont La Violette jusqu'à Contrecoeur est fermée à la navigation afin de maintenir la sécurité de la navigation et d'assurer le bon contrôle des inondations. Avertissement Québec, 0064. Trois-Rivières à Donnacona. Bois lumineuse Québec 8-4 grandine liste des fruits côte atlantique 2012.1, bois espace divers chaviré. Avertissement Québec 0058, Montréal à Trois-Rivières. Travaux de construction du nouveau pont Champlain en cours en aval du pont Champlain existant. Des quais temporaires, un bâtardeau temporaire, des remorqueurs, des barges, et des embarcations de travail sur place. Les navigateurs sont priés de rester à l'écart de la zone des travaux. Prudence. Pour plus de renseignements, www.nouveauchamplain.ca info@ssc.ca.tel 514-8-761-020. Tous les avertissements de navigation écrits sont disponibles sur le site de la gare de côtière canadienne au www.ccg-gcc.gc.ca ou contactez Québec Radio Gare de côtière. Hauteur des eaux, au zéro des cartes, émise à 7h, heure locale, jeudi le 24 janvier. Montréal. 1 décimal 8-9 mètres.
Sorel. Un décimal 99 mètres. Niveau d'eau le plus bas à Trois Rivières dans les dernières 24 heures. Un décimal 06 mètres. This is Quebec Coast Guard Radio. Continuous marine broadcast using transmitting facilities located at L'Acadie. Trois-Rivières. And Montmagny. On channel 83 Bravo. Lauzon. And Rivière-du-Loup. On channel 21 Bravo. Sorel. And Montrigo. On channel 25 Bravo. Technical marine synopsis for the St. Lawrence River issued at 3 o'clock p.m. Eastern Standard Time Thursday, January 24th for tonight and Friday. Systems position. At 3 o'clock p.m. Eastern Standard Time today, intensifying low 994 millibars located over southern Quebec. By 7 o'clock a.m. Eastern Standard Time Friday, departing low 967 millibars located over Labrador. At 7 o'clock a.m. Eastern Standard Time Friday, trough located on a line east-west over Lake Huron. By 7 o'clock p.m. Eastern Standard Time Friday, trough located from Saguenay River to Lake Huron. Marine forecasts for the St. Lawrence River issued at 3 o'clock p.m. Eastern Standard Time Thursday, January 24th for tonight and Friday. Montréal to Trois-Rivières. Wind southwest 10 to 15 knots, increasing to westerly 15 to 25 early this evening, then diminishing to southwest 10 to 15 near midnight. Wind becoming lightly overnight and increasing to southwest 20 to 30 Friday afternoon. Rain and fog patches changing.